إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله أبواتي avec titre « Contre l'islam ». Et c'est une connaissance importante et une connaissance de base qu'un musulman libyen connaît concernant ce dîn. Et en vérité, c'est l'ignorance concernant sa bonne connaissance même qui, à Zodizou, nous trouve toute qualité musulman, chacun peut pratiquer une qualité l'islam. Si tu comprends l'islam correctement, tu connais une seule qualité de l'islam, et pas tu connais une division parmi nous, pas tu connais une différence secte parmi nous. Nous tous les dire nos musulmans, nous tous les dire nos religions, c'est l'islam, mais nous trouvons qu'il y a toute qualité coulée parmi nous, qui s'est indiqué, et pas indiqué, non, excepté qui nous, parmi nous, beaucoup pas ne comprennent l'islam. Nous pas ne comprennent l'islam. Alors, il est important que nous, chacun parmi nous, nous essayons de comprendre l'islam. Nous essayons de comprendre l'islam. Mais l'information de base qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous concernant sa religion. Si nous ne comprenons pas cette chose-là, nous devons dire que nous comprenons l'islam correctement. Il n'est pas possible de nous comprendre l'islam correctement et nous devons mal pratiquer. Il n'est pas possible de nous comprendre l'islam correctement. Et nous pratiquons un islam qui est basé l'eau légalement, un islam qui finit mélangé avec une fausseté. Ce n'est pas possible. Donc, problème là, nous ne comprenons pas l'islam. Nous ne comprenons pas. Dîn Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup parmi nous, nos frères, nos soeurs, ne comprenons pas l'islam. C'est ça qui finalement nous vers légalement. C'est ça qui finalement nous vers légalement. Alors, nous pouvons essayer. Là-bas, une leçon qui peut venir, une connaissance importante concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une première information concernant l'islam. L'islam, c'est un dîn qui n'est préparé par Allah, une religion qui finit d'être préparée par le Créateur. L'islam, c'est une religion qui finit d'être préparée par le Créateur. Alors, quand on peut comprendre ça, qui veut dire l'islam, c'est religion qui finit d'être préparée par le Créateur, ça veut dire que l'islam, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une coutume qui nous a hérité des grands, de nos grands-parents, ce n'est pas ce que certains écrivains finissent mettre en écrit, ce n'est pas ce qui. Dimon fin méditer et se mettre ça en écrit et non plus ce qui fin être inspiré depuis Shaitan, ban démon. Quand on dit à l'islam, c'est religion qui fin être préparée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est ça, il suffit pour nous comprendre qu'un musulman, les bizarres, qu'on valait de ce dîn. Et il fait différence entre l'islam, religion du Créateur, et ce qui certains finissent accepter comme religion, mais ce n'est pas religion du Créateur, c'est pas une tradition. C'est ce que Dimon finit écrire, ou bien ce que Dimon finit méditer, finit propager, ou bien ce qui finit être inspiré depuis Shaitan, depuis Satan, depuis démon. Alors, nous disons qu'on fait la différence entre religion du Créateur et religion qui n'est pas religion du Créateur. Et en même temps, quand nous pouvons comprendre l'islam, c'est religion du Créateur, nous pouvons comprendre qu'il soit bien important, que c'est ça même qui beaucoup de gens ne comprennent. Quand. L'islam finit d'être préparé par les créateurs. Qui s'en là? Après les créateurs, les poénas ont droit pour
rectifier, pour ajouter, pour retirer, ou bien il a ce mot à dire dans sa religion. Qui ça n'a? Personne. L'islam, c'est dîn qui ne préparait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Les petites causes concernant la papauté. Il y a la papauté. Hein? Salam wa ta'ala. Il y a un, ce qu'on appelle un les papes. Est-ce que c'est le créateur qui enseigne, disait un humain qui, on va dire, un intermédiaire, ou bien il y a une référence, il y a un passeport, il y a un pardon. Et là, ça, le créateur a enseigné ça? Non. C'est un démon qui vient après, qui vient après, je décide ça. Je finis quoi dire, inclure ça dans cette religion. Alors, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas une religion inventée. C'est pas une religion qui nous persiste héritée. C'est pas une religion qui, dimon, fin mettre en écrit et ça fin propager. L'islam, c'est une religion qui est préparée par le Créateur. Une religion qui vient être préparée par les créateurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Est-ce qu'il n'y a pas de désir autre que la religion d'Allah? Est-ce qu'il n'y a pas de désir une religion autre que la religion d'Allah et qui pourtant tout le monde qui est dans le ciel et la terre, bon gré, mal gré, je fin soumettre à lui. Qui est le ciel, qui est la terre, soleil, la lune, étoiles, nuages, tout ça là, je ne soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis soumis au créateur. Alors, quand toute bonne créature, bon gré, mal gré, je suis soumis au créateur. Ça veut dire, même un humain, il n'est pas content qu'il est malade, ou content, ou pas content quand maladie n'attrape pour le créateur, nous l'avons malade, qui ouvre. Pourquoi vous avez un vétier? Nous, dans ça, le monde-là, nous, dans un état de soumission. Dans ça, le monde-là, nous, dans l'état de soumission. Vétier, bon gré, malgré, nous, dans l'état de soumission. Qui veut dire ça? Ou content malade, ou pas content malade, quand on va dire ça, on appelle les créateurs, décrète, ou vous malade, pourquoi faire autrement? Quand on est malade, veut dire les créateurs, ça. Une décrète pour malade ou encore même autrement. Au content, la pauvreté ou bien ou détester la pauvreté, quand les créateurs décrètent la pauvreté ou bien décrètent calamité, une décrète par la sécheresse, une décrète tremblement de terre, nous contents ou pas contents, nous soumis à Allah. C'est Allah le créateur, ce décret, ce décision qui. On va dire les prévaloir. Donc, ce qu'il nous appelle à l'islam, toute ma créature, je suis déjà soumis au créateur. Ça prouve que religion, le créateur, ça qui vient là comme signification, la soumission, déjà, on va expliquer ça, c'est nous tout, nous n'avons aucun choix à part ça. Faire parce que c'est toute créature est dans l'islam dans eux. Toute créature est dans l'islam dans eux. Soleil, la lune, les étoiles, même nous, toute bonne créature, il n'est pas né, il n'est pas qui l'oulait, il n'est pas malade, il n'est qui l'oulait, il n'est pas les sous décision Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qu'Allah t'a dit. Afaghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Est-ce qu'il va n'a pas désir autre que la religion du créateur, alors que tout le monde qui est dans le ciel et la terre, je suis déjà soumis à Allah, je suis déjà soumis au créateur, bon gré ou malgré, je suis soumis à lui. Et vers lui les retours, et vers lui qui vous retourne vers Allah, pour retourner toute bonne créature vers Allah. Donc, dans cette ayette-là, Allah qui peut dire, Afa ghayra dinillah, est-ce qui
je bana pe désir afara dini la yabroun. Est-ce qu'il bana pe désir autre que la religion d'Allah, autre que la religion d'Allah? Donc l'islam c'est la religion d'Allah, l'islam c'est la religion du créateur. Donc nous pas pratiquer l'islam comme ban fanatique bana et dans notre religion, nous et dans nos religions. Par exemple, certaines, je ne poussais par fanatisme, je ne commence à donner une fausse azan, grand-mère tantôt, je mettais une cassette de Dieu, elle la prière. Est-ce qu'il est dans ça dans ce livre? Est-ce qu'il se peut faire ça pour faire bon Dieu plaisir? Ou bien je peux faire ça, comment dire, je ne sentis pas manque de choses dans pour eux? Alors, comment dire, comme une rivalité, je n'introduis pas ça dans notre religion. Donc, nous musulmans, nous ne pratiquons l'islam avec un certain avec fanatisme. Quand on parle de ça, nous aussi, nous sommes pareils. Quand on parle de ça, nous sommes ceux qui sont équivalents contre nous. Non. L'islam, c'est la soumission au Créateur. Ce qui est Créateur, il dit à nous faire ce qu'il enseigne nous faire. Qui faire? Parce que l'islam, c'est la religion du Créateur. Nous visons pratiquer l'islam d'après ce qui le Créateur, l'Élifine, en enseigne nous. Comment l'Élifine enseigne nous, pas comment nous voulons. Donc, ça, c'est une première information concernant l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? C'est la religion du Créateur. Deuxième, l'islam, la religion du Créateur, sa réalité, c'est la soumission au Créateur. L'islam, c'est la soumission au Créateur. D'ailleurs, quoi nous expliquer? Tout une créature déjà musulman. Dans le sens qui, je tout soumis. Soleil, il parle à qui lui voulait, il parle d'homme, il parle à qui lui voulait, la ligne pas apparaît à qui lui voulait, il parle. Non, tout soumis, tout l'islam. Alors, nous, tout une créature déjà, c'est-à-dire, saison man fleuri, gaiman, ou bien lexi, tout ça, tout un pied, je déjà soumis à Allah. Je déjà soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout une créature déjà soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, réalité, l'islam, c'est toi humain, toi aussi soumis à ton créateur, pareil comme à toute une créature déjà soumise à ce créateur. Toute créature soumise à Allah. Alors, toi, insan, toi aussi, soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça l'islam. Ce signification même, l'islam, en tant qu'un mot arabe, qui veut dire islam, en tant qu'un mot arabe, islam, en tant qu'un mot arabe, c'est l'islam, la soumission. La soumission. Et ça, c'est une différence flagrante entre l'islam et les autres. En religion, nous qui se portons. Et là, comment certains, je te finis là, non, pas en l'eau, un fondateur comme un bouddhisme, je ne suis pas Gautama Bouddha. Et là, d'après une civilisation dans une certaine vallée, Indus River, finis là, une certaine religion. Alors, il y a différentes religions, quand nous guettons non de sa bonne religion là, il y a une signification globale qui, comment dire, tout le monde sentit concerné par ça et tout le monde sentit qu'il appartenait à ça. Non. Une civilisation, un groupe du monde dans une certaine vallée, je finis dans une religion pour eux. Mais pour moi, non, pas pour moi. Ou bien, un djimoun, mais ça djimoun là, je ne connais lui, ou bien l'autre, je peux suivre sa religion, pas moi. Tandis qu'il dit l'islam, pour ça là, la soumission du créateur au créateur, pour ça là. C'est tout. Tout créature, tout humain, sa religion ça. Il n'est pas religion, l'islam, c'est pas religion du man arabe, l'islam, c'est pas religion du man nascor. L'islam, c'est religion du Créateur pour nous tous, pour toute une créature. Qui fait? Parce que toute créature vise à soumettre. Toute créature vise à soumettre au Créateur. Alors, c'est sa signification de l'islam. L'islam, c'est la soumission.
الله سبحانه وتعالى يجي فإلهكم إله واحد فله أسلموا. The divinity, c'est un seul divinité, et alors soumet à lui. Et alors soumet à lui. Et un seul bon Dieu, soumet à lui. Qui veut dire soumet à lui? Vinman musulman. Vinman musulman. Soumet à son créateur. Vivre dans la soumission au créateur. C'est ça qui veut dire. C'est ça la signification de l'islam. Elle le place encore. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Qui sera sa religion meilleure que celle qui soumet sa figure à Allah. Qui sera sa religion meilleure que celle qui soumet à Allah. Qui celui qui est soumet à son créateur. Il peut faire bonne action et il peut suivre Milla, c'est-à-dire la religion d'Ibrahim, sans qu'il y ait incliné vers Shirk, sans qu'il y ait incliné vers l'idolâtrie. Donc, dans sa ayat-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il y a pas la meilleure religion qui est celui qui soumet à Allah. Pas la meilleure religion qui est celui qui soumet à Allah. Si nous posons la question, est-ce qu'il y a une meilleure religion qui les créatures soumettent à son créateur? Et une meilleure religion que ça? C'est un gap de religion. Il y a toute religion vis-à-vis de sa même. Oh, toi, humain, tu es une créature, soumette à ton créateur. Qui veut dire soumettre? Pas vous croire comme un mot, vous faire comme un mot, pas besoin de soumettre. Ça, pas besoin de soumettre. Et si peine ça, nous pas sentir, nous peut débarrasse-nous de certaines petites choses pour nous soumettre à nos créateurs. Si nous ne sentons pas, nous lutter contre certaines petites choses pour nous soumettre à nos créateurs. Mais comme si, mais dans l'islam, nous visons sentir qu'il nous peut soumettre aux créateurs. Qui vient nous peut soumettre à nos créateurs? J'ai une certaine conception qui, moi, je peux croire là-dedans. Mon débarrassement de ça. Mon quitte ça. Ma fausse pratique là. Ma rite qui, pénanant, y a fait avec l'adoration du créateur. Mon quitte tout ça là pour me soumettre. Me soumettre à Allah, me soumettre au créateur. Donc, nos musulmans, nos religions, ce nom c'est l'islam. L'islam, en tant que mot arabe, il y a une signification globale. C'est-à-dire la soumission du créature au créateur. Cette signification de l'islam, il y a déjà une preuve pour dire que ça c'est la religion du créateur. C'est pas une religion fanatique. C'est pas une religion qui prône le fanatisme. Et c'est pas une religion qui, comment dire, où on a pour prendre permission en quittant pour ou accepter lui. C'est déjà religion ou créateur ça, et c'est déjà ou religion ça qui ou bien accepter ou bien soumettre au créateur. Veut dire comment un démon dit non, mais pas nécessaire soumettre à vos créateurs. Mais te montrer toi un rebelle, te montrer toi un rebelle. Alors celui qui dit non, mais bien soumettre à vos créateurs, quoi, mais c'est l'islam. Tu veux bien soumettre à ton créateur, mais c'est ça même l'islam. Soumettre à ton créateur, débarrasse-toi des bonnes faussetés, débarrasse-toi des bonnes fausses rites qui te tu peux faire. Soumettre à ton créateur. Sinon, pas appeler ça la soumission. Comme définition de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Qui veut dire l'islam? L'islam, c'est al-istislam lillah. La soumission à Allah, bit-tawhid, à travers réalise l'unicité. Soumettre au Créateur pour accepter lui. Le Créateur qui unique croit dans son unicité. Ou al-inqiyad lahu bit-ta'a, et céder pour qu'il nous soit obéissant à lui. Céder pour qu'il nous soit obéissant à lui, ou le bara'atu min ash-shirk wa ahli, et le reniement des shirk et ban mushrik, vient nous rejeter toute forme de shirk, nous rejeter tout ban qui peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, basant le ça, définition là, qui nous comprend, et à l'islam, c'est la soumission à Allah par des petites choses principales. Numéro 1, réalise l'unicité. Deuxième, ce qui était, vivre dans son obéissance.
vivre dans ça, l'obéissance, et l'implication de croire dans ce l'unicité, c'est reset shirk, c'est-à-dire l'adoration du man. Les autres apportent les créateurs. Et ça, pas besoin, comment dire, faire l'étude pour nous comprendre que c'est un crime. Si un enfant, au lieu de lui dire, au lieu d'appeler son papa, papa, lui ignore son papa, et lui appelle un autre qui jamais dit son papa, jamais capable de son papa, lui appelle l'autre là, papa, lui donne l'autre là, la considération papa. Qui ça indimoun l'eau la terre pour dire c'est un bon enfant? Qui ça n'a? Et indimoun l'eau la terre pour dire un bon enfant ça? Li ignore son papa. Pour qui? Et lui donne considération à un l'autre. Lui donne considération papa à un l'autre. Et qui l'autre là, lui pour qu'il son papa? Jamais. Ou papa, c'est ou papa. Un l'autre, pas pour nous papa. Ou ignore papa. Pour donner considération papa à un l'autre. Qui ça un humain l'eau la terre qui peut dire? Pas une crime ça, pas une péché ça, les pas une chose vilaine, les pas une chose qui dégoûtant, qui ça n'a personne. Mais comment aujourd'hui nous accepter quelque chose qui est pire que ça, comme une petite chose quoi dire normal. Nous pas bien, nous trouve ignore ou propre papa pour donner considération papa à un autre comme crime et nous accepter ignore les créateurs pour donner considération créateur à une créature qui finit être fabriquée par insan, finit être fabriquée par humain. Est-ce que c'est pas un crime? Est-ce que c'est pas une petite chose qui grave? Mais pourtant, aujourd'hui, nous trouvons combien de gens, je ne sais pas penser même en termes, est-ce que mon religion c'est religion du créateur ou bien mon religion ça? Li, mon religion, ça, quoi. Mais ou religion, ça, est-ce que c'est religion du créateur? Pour lui, les satisfaire, vos religions, ça. Mais toute sa religion qui nous est là, ça gagne dans sa façon. Est-ce qu'il n'a pas besoin de suivre religion du créateur? Et qui était religion du créateur? Religion du créateur, c'est soumettre. Soumettre au toi humain, au toi créature, soumettre à ton créateur. Comment? Pour des petites choses principales. Soumettre à lui. Premièrement, pour réaliser son unicité, pas donne créature, considération créature. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Quel créateur, créature, c'est pas qui était un démon, si il y a un monde original et un autre, il met sa même marque là, pareil, pareil, mais il n'est pas original. Celui qui n'a, il croyait, il met montre original, pour montrer, non, mais c'est pour moi original. L'autre là, non. L'autre là, quoi dire, une copie, une petite chose qui pas, qui pas genuine. Ou bien, une madame, il met bijoux, l'eau, un autre, il met fantaisie, je sais pas, qui est découlé à l'eau, préparé de l'eau. Est-ce qu'il peut, quoi dire, à l'intérieur, les délits? Il accepter ça qui te soit, quoi, tous les deux. Du monde peut être moi. Quoi dire, il peut être ça, madame, il peut être l'autre, madame, là. Quoi dire, tous les deux pareil, il accepter ça. Il n'est pas accepté. Donc, si, quelque chose qui nous possède, nous pas peut accepter, comment dire, une madame pas peut accepter, qui, du monde peut donner même considération à ce baglo, et ça, l'autre bague, c'est pas qui coulait là, et nous disons mettre couler à l'eau avec lui. Il pas peut accepter. Si quelque chose comme ça nous pas accepter, comment dire, donne ni considération qu'il n'est pas mérité, comment nous peut vivre au salaté là, nous peut accepter, donne considération créateur à une créature, c'est un plus grand crime. C'est plus grand crime que l'homme fait au salaté là, c'est plus grand péché qui insane fait au salaté là, c'est l'ignorance au créateur. Et lui donne considération créateur avant créature. Ça aussi, qui va une créature pour avoir créature qui lui-même l'a fabriqué avec ça, avec cela. Donc, l'islam, la réalité de l'islam, c'est qu'était, c'est la soumission au créateur. Pour dire qu'il soit principal, numéro un, qu'était, réalise son unicité et déjà, vive dans son obéissance, vive dans son obéissance. Un humain,
li bizan santi ki mwen kreatur, mwen en kreatur, e ve diya, mwen mwen mwen, an tank en kreatur, mwen propriété de mwen kreatur, sa la ter la, lor lekel mwen pe vive, se propriété de mwen kreatur, mwen pa ka santi mwen, mwen vive lor sa la ter la, mwen libre pou fè se ki mwen oule, mwen libre pou fè se ki mwen oule. Alors, quand dans l'islam, l'islam c'est qu'il était soumettre au créateur pour vivre dans son obéissance, connaître qui vous peut dire, qui vous pas peut dire, qui vous peut manger, qui vous pas peut manger, qui vous peut boire, qui vous pas peut boire, comment on peut habiller, comment on pas peut habiller. Donc ça c'est l'islam, où un créateur soumettre à lui, vivre dans son obéissance. Et comment les connus, les créateurs, et pas mettre dans son religion, ben, la loi inutile, ou bien ben, la loi injuste, ou bien ben, la loi juste pour mettre difficulté l'eau, non. Donc, vivre dans l'obéissance du Créateur, soumettre à Allah pour qu'il nous vive dans son obéissance. Ce n'est pas une petite chose qu'on va dire, nous peut faire et qui lit dans nos désavantages, ou bien il y a une petite chose qui ne pas profiter de ça. Donc ça c'est la deuxième explication. Alors l'islam, première explication de l'islam, que nous dire? L'islam c'est? On arrive, on fait des points aujourd'hui là. On peut recommencer à apprendre l'islam depuis zéro. Premier point, nous dire l'islam c'est qu'est-ce? C'est religion du Créateur. L'islam, c'est religion du Créateur. Deuxième point de dire, l'islam, religion du Créateur, sa réalité, c'est qu'était la soumission au Créateur. Et là, de dire, soumission au Créateur, c'est nous soumettre à Allah par des petites choses principales. Premier, c'est réaliser l'unicité. Et deuxième, vivre dans l'obéissance. Troisième point, l'islam, religion du Créateur, soumission de l'homme à son Créateur, il repose l'enseignement principal, adore le Créateur uniquement. C'est ce qu'il appelle, réalise l'unicité du Créateur, adore ton Créateur, zisli, pas adore créature, et pas adore bana. Pas délaisse les créatures pour ado créatures et pas ado créatures ensemble dans l'adoration du créateur. Ado existe les créatures. Donc, il y en a certaines, ils quittent les créatures, ils adorent une créature. Et il y en a certaines qui adorent les créatures. Après, qu'il vient en même temps qu'il adore les créatures, c'est ce qu'il appelle chef, il associé. Il associer les créateurs avec ban créature, c'est-à-dire les prier bon Dieu et les prier ban créature aussi. Les prier les créateurs et les prier ban créature aussi. Donc ça c'est l'islam, il commence à partir ça. Oh toi, il y a humain en tant qu'un homme, ban créature. Alors, reconnaître un créateur. Ton créateur, il est une religion. Il finit enceinte une religion. Il prépare une religion à l'islam. À l'islam, c'est la soumission de l'homme à son créateur. Et ça, il réalisable comment? Par ado, les créateurs uniques. Pas associés n'importe qui s'en là. Dans l'adoration du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أو محمد صلى الله عليه وسلم جي ألو le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que le messager d'Allah. Il peut être ordonné pour dire à Bandimoun, pour proclamer
réalité de ce religion qui les fait vite vers ça. Qui religion qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit vite vers ça? C'est l'islam qui nous fait vite benjimoun vers ça. C'est qui? C'est pas religion de Muhammad. C'est pas religion des ban arabes. C'est pas religion des ban lascar. C'est qui était? Qu'il y a eu un nas, ô Muhammad, dire, ô benjimoun, in kuntum fi shakk min dini, si c'est en doute concernant mon religion, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Mon religion, c'est mon n'a pas ado, c'est qu'ils ont adoré à part Allah, à part les créatures. Ça, c'est mon religion. Mon religion, c'est mon pas ado, c'est qui je peux adorer à part des créatures, à part Allah, walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Mais moi, do Allah, celui qui vous donne l'amour, wa umirtu an akula min al-mu'minin, et mon finet, oh Denis, pour une bonne man mu'min, pour une bonne man croyant, pour qui, mouina là, la foi, moi-même, iman. Donc, dans sa ayat là, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les pètes ordonnées pour quitter, pour faire du monde comme sur religion ou en doute concernant l'islam, pas l'islam qui dit, ou en doute concernant l'islam, ou pas, ou envie qu'on y quitte, c'est l'islam, pas l'islam, l'islam c'est Mwado Allah, ou pas ado, elle ne t'apporte Allah, Mwado les créateurs, ou pas ado. Les autres apportent les créateurs et mon finette ordonné pour qui mon vin pour un croyant et les créateurs. C'est celui qui les crée nous et lui-même les donne nous l'amour. Les crée nous, les donne nous l'amour. Comment nous capables de prier? Celui qui ni les crée nous et ni les capables de nous l'amour. Comment nous capables de prier? Celui qui ni les crée nous ni les pouvoirs de nous là. Par exemple, on demande, est-ce que Gautama Bouddha l'in crée toi? Est-ce que Bouddha l'in crée toi? Ou bien bon Dieu qui l'in crée toi? Mais priez bon Dieu! Qui veut te viser à prier, Dimoun? Qui veut te viser à prier, Dimoun? Priez bon Dieu! Est-ce qu'il vous donne toi l'amour? Lui-même l'infini mot. Lui-même l'infini mot. Qui vous donne toi l'amour? Priez bon Dieu! Qui lui donne toi la vie et lui donne toi l'amour. Donc, c'est ça l'islam. L'islam, la religion du Créateur, lui enseigne nous pour soumettre à nos Créateurs pour réaliser ce qui était l'unicité de nous, Créateurs. Qui veut dire réalise l'unicité de nos Créateurs, nous accepter lui unique. Lui n'a pas semblable à une créature. Lui peine caractéristiques de ma créature, les créatures, les créatures, c'est les créatures. Les créatures, c'est pas bon Dieu qui t'y en forme humain, l'eau, la terre. Les créatures, il pas celui qui t'y en forme humain, l'eau, la terre. Ou bien, les créatures, c'est pas celui qui, les enfants qui cannent. Les créatures, c'est les créatures. Mais la différence entre ça des mots là, créateur, créature, c'est-à-dire créature, il y a une caractéristique créature dans lui, tandis que créateur, il y a une caractéristique créature dans lui. C'est ça l'islam. Faire la différence entre créateur et créature. Faire la différence entre créateur et créature. Réalise l'unicité du créateur pour accepter son unicité. C'est-à-dire lui-même en tant que créateur, l'unique dans son ban caractéristique et dans ce droit, ado, lui tout seul, pas ado, les autres apportent lui ou bien les autres ensemble avec lui. Et quatrième point, l'islam, la religion du créateur, soumission au Créateur, réalise l'unicité du Créateur. Quatrième, c'est l'islam, c'est une religion qui lui est acceptée par nos natures. Il est accepté par nos natures. Veut-dire, nous, un humain, nous avons une certaine nature dans nous. Par exemple, nous avons faim. Est-ce qu'il y a un humain qui n'a pas faim? Tout le monde a faim. Ou bien,
aux toilettes. C'est quelque chose qui va être naturel. Les dans nous nature. Les dans nous nature. Alors, qu'on est qui? L'islam soumet à nos créateurs sa, la soumission. Il est déjà un quelque chose de la nature, l'homme. Il est déjà dans la nature de l'homme. Et dire, un timon, si les pas finettes égarées, il a assise, il réfléchit, automatiquement, il pour comprendre et il pour trouver ça comme une pure vérité. Moi, je vais soumettre à mon créateur. Moi, je vais soumettre à mon créateur. Je veux dire, l'islam, c'est pas une religion qu'on m'a dit, mais force nous pour nous comprendre. Par exemple, il y a des gens qui ont dit, mais force ben, non musulmans pour vivre musulmans. Il y a ben, converti, il y a ben, qui les autres religions. Je n'accepte l'islam. Est-ce qu'il faut se battre pour accepter l'islam? Est-ce qu'il faut religion car faut s'indigner pour accepter religion? Et là, il faut accepter une sens religion à cause certains profits, un certain avantage. Mais faut s'indigner pour accepter une religion. Une religion, c'est ce qu'il y a, c'est qu'un dimon est à l'intérieur des lits. Religion, c'est qu'un dimon est à l'intérieur des lits, c'est qu'il est content. C'est ça son religion. Pourquoi faut s'indigner pour content quelque chose? Quand vous n'avez pas force un dimon pour content quelque chose, vous n'avez pas force un dimon pour devenir musulman. Vous n'avez pas force un dimon pour devenir un musulman. Mais qui fait un dimon accepter l'islam? Qui fait un dimon accepter l'islam? Entier les mondes. Dimon accepter l'islam et pas, quoi dire, à ses autres, des, quoi dire, à abîmes des autres situations difficiles qui sont là-dedans, de autres. Man aide ensuite, comment dire, à tes autres. Ça, c'est, il y a 20 mondes, une région proposée dans sa façon-là. Je t'ai un pays misé, je trouvais, c'est pas un hôpital, ou bien, je te fais fouiller un puits, c'est pas qui était. Je t'ai 10 mondes, et à travers sa aide-là que je te fais, comment dire, t'as 10 mondes. Pour faire du monde rentrer dans cette religion. Alors qu'on est que l'islam, religion du Créateur, la soumission au Créateur réalise l'unicité du Créateur, l'idée, une religion qui, nature de l'homme acceptée automatiquement. Nous pas peine la personne qui force pour accepter l'islam. N'importe qui s'en a qui, les réfléchit, les poutous de. Puis tout ce qu'il peut dire, vrai là, il est un créateur, il se soumettre à sa créature là, il a adoré sa créature là, mais c'est juste la vérité. Alors c'est ça, réalité, l'islam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika maintenir ta figure alors la religion en se tournant, voilà, tourne-toi exclusivement vers ton créateur. Maintenir ta figure alors la religion, tourne-toi zis vers ton créateur. Ça, c'est un fitra, c'est une nature. La religion d'Allah, c'est une nature dans laquelle Allah fait créer l'homme. Allah fin crée l'homme, l'eau en fitra, l'eau en nature, l'eau avec un instinct dans nous pour qu'il nous accepte, nous comprend que la soumission c'est ça même, la vérité. Allah Ta'ala dit, la soumission au Créateur, c'est ça, religion qui est correcte, c'est ça? Religion qui est correcte. Avant ça, la tabdila, pas pour un changement dans la création d'Allah, mais pas pour un changement dans ce qu'Allah t'a fait enseigner dans sa religion. C'est sa religion qui est correcte. Mais la plupart ne disent pas connaître. Donc, dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Mais maintenir ta figure, la religion, c'est un fitra qu'Allah fait créer insan l'eau là. C'est une nature
qui, Allah Ta'ala, fin crée l'homme, l'eau, là, veut dire, un humain qui, sous nature, pas nous gâter, automatiquement, il comprend, il accepte qu'il non, en tant qu'une créature, mon bizarre adore mon créature. Mais, il y a un dit, par exemple, nature, l'homme, c'est le couvert sur l'écho. Nature, l'homme, le couvert sur l'écho. Mais ce qu'il y a un dit, à ce jour, je te montre, je te fier pas, enlève, je laisse nos autres. Oui. Mais ça, c'est, on va dire, quand nous guette l'histoire de l'homme, et tout le temps, Jimoun fin couvert les couverts, jeune embellir par mal vêtement. Qui veut dire ça? Certains Jimoun, je peux vite vers la nudité. Je t'appelle, je ne crois pas nudiste. Je t'invite pour qui? Je te sans l'air. Qui veut dire ça? C'est un Jimoun qui se naturellement gâté. Jeune, quoi, une corrompu. Une corrompu. Alors, comme ça même, ado, les créateurs, pour réaliser l'unicité, soumettre au créateur, ado, juste tout seul, c'est la nature qu'elle a créée, nous, Lola. Et tout le monde, pour toujours, Lola, aussi longtemps qu'il n'est pas fini, croyez pas, sa nature n'est pas gâtée, pas corrompue, sinon, il peut accepter ça comme vérité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous l'exemple, il dit, il explique nous sa vérité là, il donne un exemple, il dit ma min mauloudin illa yuladu ala al-fitra, pena aucun nouveau-né excepté qu'il y prend naissance le fitra, excepté qu'il y prend naissance le fitra, avec tout homme, tout djimoun prend naissance le one seule nature, pareil quoi, tout djimoun prend naissance, tout djimoun prend naissance, il vient manger, il vient boire, il n'a pas de toilette, tout djimoun prend naissance avec sa nature là. Comme ça, tout le monde prend naissance avec la nature, les ressentis qu'il besoin soumettre à son créateur. Les ressentis qu'il besoin soumettre à son créateur. Ensuite, le prophète dit, Mamin Mauloud, il a eu le droit de le fitra. Peine aucun nouveau-né, excepté qu'il prend naissance au fitra, veut dire l'islam. Fa'abawahu yuhawidani, mais c'est ce parent qui fait aller un juif ou chrétien ou bien majus. Le prophète dit, ça c'est la réalité. Ensuite, donne un exemple. Kamatun tajul bahimatu bahimatan jama'a, hal tuhissuna fiha min jada'a. Il y a quand un petit mouton, il prend naissance, un petit cabri, un petit vache, ou un petit bouc, ou bien un petit animal, il prend naissance. Est-ce qu'il ne se peut pas trouver comment il prend naissance avec, quoi dire, avec un écho parfait? Est-ce qu'il se trouve qu'il y a une coupure là-dedans? Est-ce qu'il se trouve, par exemple, un cabri né, fini coupe ses oreilles? Non. Mais pourtant, et les animaux, quand le péché était, il finit coupe ses oreilles. Qui fait un djimoun, il coupe ses oreilles. Alors, c'est ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner. Tout djimoun, quand il prend naissance, tous les enfants, quand il prend naissance, les déjà peut prendre naissance pour dire que mon créateur, c'est mon créateur qui me crée moi. Ce n'est pas un bout de rose ou bien un bout de bois. Mais il est arrivé qu'il soit naturellement corrompu. Comment? Pas ce qui se part enfin en Saint-Li. Alors n'importe qui s'en a, il peut réaliser qui ce qu'il est là, c'est pas religion du Créateur, mais ce qui se part enfin en Saint-Li, c'est ce qui se part enfin en qu'il qui est dans lui. Alors les bizins débarrassent-lui de ce qui se part enfin en qu'il qui est dans lui, pour qu'il se soumette à son créateur. Ça, c'est l'islam. Imam Bukhari, rahimahullah, il dit, la tabdil al-khalqillah, peine à changement dans la création d'Allah, peine à changement dans la religion d'Allah. Tout djimoun, dans toute l'époque, premier djimoun, ce qu'a dit un djimoun, tout djimoun, je tenais avec sa même nature-là, en tant que créature, nous devons soumettre à nous, à nos créateurs. Et les consignes d'Imam Bukhari, Khuluqul Awwalin, notre place côté à la table, il dit la création des bannes premiers. Sa signification, c'est la religion des bannes premiers. Tout le temps, Ban Jimon, fin, et une seule religion, et vous venez ça.
Et il dit, ou elle fitra tout à l'islam, fitra, qu'Allah t'a fait chez nous tout le là, c'est à l'islam. Alors, c'est ça, un petit peu long, l'explication pour aujourd'hui, nous connaissons avec ça, sa nouvelle leçon qui nous peut commencer là, contre l'islam. Alors, nous pouvons continuer jusqu'à ce que nous terminions une cinquième session, ou bien plus même, Inch'Allah. Demain, nous laissons faire, Inch'Allah, samedi, nous laissons l'obéda. Alors, pour nous, Alhamdulillah, je vous laisse avec l'intestin.